Bonjour, je suis sur le plateau nordique du Revar La Fécla. Je sors d'une réunion organisée par le syndicat mixte des stations des Vosges avec une conférence de presse. Et je peux vous annoncer un scoop. C'est tout de même très courageux pour les élus du syndicat, puisque nous sommes tout de même le 1er avril, mais ceci est très sérieux. Donc la station nordique de La Fécla et son stade de biathlon sont présélectionnés pour faire partie, pour intégrer le projet d'Aix-les-Bains qui concourt aux Jeux Olympiques d'hiver 2030. Alors, on peut s'étonner, mais on le comprend mieux avec l'investissement de 4 millions d'euros qui est en cours de réalisation au niveau de l'enneigement artificiel des 4 km de piste de biathlon avec la retenue collinaire à 1300 mètres d'altitude. Alors, bien sûr, il y a un journaliste perfide qui, pendant cette conférence de presse, a posé la question, mais en 2030, certainement qu'il n'y aura plus de neige à 1300 mètres d'altitude avec le réchauffement climatique. À cette question, les élus ne se sont pas démontés, ils ont répondu, eh bien, s'il n'y a plus de neige, on fera les Jeux Olympiques d'hiver l'été, et comme ça, les sportifs pourront bénéficier du lac. Voilà, c'était Pierre-Louis Billot pour La Vieuse TV, en direct du plateau du Revar La Fécla. À vous les studios.